Bonjour, aujourd'hui nous allons montrer comment forcer l'utilisation de HTTPS dans Bokeh. Alors dans Bokeh, quand on accède par HTTP, c'est-à-dire un protocole non crypté, depuis les dernières versions de Firefox et de Chrome, on a une alerte indiquant que la connexion n'est pas sécurisée. Alors si votre serveur web est bien configuré et que vous avez un certificat HTTPS, vous pouvez accéder à Bokeh en HTTPS. Voilà, et donc à ce moment-là, on a bien le cadenas qui apparaît dans la barre d'adresse et le navigateur web ne va plus alerter sur les éventuels problèmes de sécurité. Bien que Bokeh soit accessible en HTTPS, par défaut, ça ne force pas l'utilisateur à utiliser HTTPS. Rien ne l'empêche d'accéder en HTTP. D'autant plus si vous avez d'autres sites qui référencent votre portail et qu'il les référence avec l'URL HTTP. Rien ne force à passer en HTTPS par défaut. De plus, le sitemap qui est utilisé pour le référencement, par défaut, va utiliser HTTP. Alors, je vais me connecter en administrateur. Voilà. Alors, dans Bokeh, nous avons rajouté une variable qui s'appelle force HTTPS qui permet d'indiquer que on veut que lorsque Bokeh soit accédé en HTTP, donc non sécurisé, on redirige vers la version sécurisée du site automatiquement. Donc je vais activer cette fonctionnalité. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que si j'accède à Bokeh en version HTTP standard, si maintenant je recharge ma page, automatiquement Bokeh va nous rediriger sur la version HTTPS. Je ne peux plus accéder à Bokeh dans la version HTTP. Ça fait une redirection 301. Ce qui fait, c'est que même les moteurs de recherche vont prendre en compte cette modification dans le référencement et d'ailleurs améliorer le référencement. De plus, si je relance la génération du sitemap, donc il se fait toutes les nuits. Voilà, donc là il est régénéré, je vais le recharger. On voit que les protocoles utilisés sont bien les protocoles HTTPS. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Merci de l'avoir écouté et à une prochaine démonstration.